Bon, salut, salut, salut. En fait, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On est le dimanche, puis il y a une épreuve spéciale qui est probablement commanditée. Là, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est Toyota. Habituellement, ça, c'est l'écran qu'on voit. On a les deux séries, le Nation Cup puis le Manufacturer Series. Puis, de ce côté-là, on a les courses quotidiennes. Mais là, il y a ça. Puis, comme on peut voir, il y a l'événement qui est aujourd'hui, qui commence à 9 h. Il est 9 h moins quart. Faut que j'aille m'inscrire parce que ça commence. Fait que c'est maintenant. Je me suis pratiqué un peu. C'est avec une petite Toyota Yaris. Rien de bien puissant, mais moi, quand c'est trop puissant, c'est je suis peut-être moins bon. Fait que, tu vois, c'est 13 tours, il y a 20 autos, la grille, c'est avec un faux départ, donc c'est un départ arrêté, puis on doit prendre les pneus durs et médiums. Là où le bât blesse, c'est que les pneus, l'usure des pneus, c'est x9. Moi, j'ai fait des tests à x5, puis je peux faire 7, 8 tours avec les médiums ou 9 tours avec les médiums. Fait que j'ai l'impression que je pourrais m'en tirer à 4 ou 5 avec les médiums dans ce cas-là. Puis au niveau de l'essence, ben peut-être qu'on n'aurait pas à en mettre. On va voir. Ça, c'est ma super bagnole. Fait que je m'inscris à l'instant. Puis là, il va y avoir. J'ai comme 15 minutes là, à faire des tours, c'est ça. J'ai 15 minutes à peu près pour faire des tours, pour me pratiquer. Puis après ça, ben, la course va commencer. Puis là, ça va être les qualifs, puis tout ça. D'habitude, je commence l'enregistrement de la vidéo. Au moment où les qualifs commencent, ou à peu près, là. Fait que je mets pas le début comme ça au début. De 14-15 minutes là, de pratique, je le mets pas. Fait que je vais arrêter la vidéo, puis je vais la repartir tantôt, une fois que je vais m'être pratiqué. Fait que c'est ça. OK, bye. À tantôt. Bon, ben, re-bienvenue. J'ai fait mes tests. J'ai roulé pas pire. Je suis assez content de ma pratique. Je réussis à refaire ou à peu près le. Je suis proche de mon meilleur temps, c'est-à-dire 50 secondes, 0.5, 0.3. Je pense que mon meilleur, c'est 0.3. Mais là, c'est ça. Warm-up. OK, le warm-up finit bientôt. Je vais aller voir mes settings. Je vais commencer en médium, évidemment, pour faire les qualifs. C'est 115 points, la course. Il faut que je mette les pneus tendres et durs. Ça, je l'ai dit. Là, je suis comme 16e. J'ai pas de points parce que j'ai pas participé à l'autre course. Je l'ai pas vu passer. C'était avec une Toyota Supra. Je sais pas trop. Quelque chose du genre. On voit d'autres mondes passer. Je vais sortir. Juste aller me faire la main un peu. Évidemment, l'aspiration va être super importante pendant la course, mais aussi pendant les qualifs, surtout pendant les qualifs. Fait qu'il faut qu'on puisse profiter de quelqu'un, tu sais. Puis la sortie des puits est bien tricky, là. On voit pas cette épingle-là arriver. Fait que.
va falloir faire pendant toute la course, c'est économiser les pneus le plus possible. Moi, ce qu'on entend, on entend les pneus quand je dérape. Sauf que moi, j'ai augmenté le son de mes pneus. Fait que des fois, ça dérape. Ça commence à déraper, puis je l'entends. Fait que ça me permet de jauger mon adhérence plus facilement. Sauf que c'est bien tough d'économiser les pneus. On est trois Canadiens sur l'ensemble des participants. Fait que j'ai 5 minutes. Come on! C'est le même gars que tantôt en avant. Touché parce que si tu prends une pénalité dans ton tour de pour aller commencer ton chrono, ben ton chrono, t'as un 5 secondes de pénalité dedans. T'sais. Fait que c'est un peu chien. Parce que la pénalité, elle se fait donner juste au début de la longue ligne droite. Pour me tirer. Puis je veux pas utiliser ce gars-là. C'est parti. Ah, je devrais être pas pire avec le gars en avant, là. Non, je suis pas dedans. J'entends que je suis pas dans son... Il est trop grand autour de moi, là. OK, concentration.
donne le premier temps. Hey, j'ai la pole! C'est pas fini, mais... Aïe aïe, c'est donc bien cool! Wow! Aïe aïe, je suis content! Pourtant, aïe aïe, c'est pas mon meilleur temps. J'ai vraiment fait une 50 quelque chose. Wow, ok. Aïe aïe, ok. Fait que là, au niveau de la stratégie, comme je disais tantôt, faut mettre les médiums et les durs. Moi, quand j'ai fait une course pour tester, j'ai testé l'essence à x5. Là, c'est x2. Fait que ça, je trouvais que c'était, ça se dépensait vite. Puis l'essence, il fallait que j'en remette pour terminer parce qu'il m'en manquait. Il me manquait, je dirais, de litres. Fait que là, il devrait manquer moins de gaz. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je commence-tu en médium? Genre, je fais le plus de tours possible, puis je change pour les durs. Parce que les durs, je tourne en 1,51,5. En fait, le temps que j'ai fait de qualif, non, j'ai fait une 51,3. Ouais. Je vais essayer de... Je vais y aller avec les médiums, puis... L'idée de finir avec les médiums, c'est que tu finis avec un réservoir plus léger. Puis t'as plus d'adhérence, tu sais. Fait que de jumeler les deux, ça accélère beaucoup. Mais en même temps, si je garde les durs, puis que j'ai moins d'essence, le poids va faire en sorte que... Comme il y a moins de poids à cause de moins d'essence, les pneus durs vont être plus adhérents parce que il y a moins de poids à faire adhérer. En tout cas, je vais y aller de même, là. Hey, il y a quelqu'un qui me dit « Congratulations ». Combien qu'il a fait, lui? Ah oui, stick. Wow. Non, je suis vraiment content de mon temps, là, par rapport à tout le monde, là. Thank you.
fait de faire des... révolutionner ton moteur, sa ligne de départ, ça dépensait ton essence. Je prends pas de chance, dans le fond. Je fais pas. Écoute, ça dépense du gaz. En vraie vie, ça dépense du gaz. Fait que pour ce qui est du départ, théoriquement, j'ai fait des tests, puis j'ai pas besoin de l'antipatinage. Là, c'est comme avec la Mini Austin de la course en nationale que j'ai fait. T'as pas assez de puissance pour que ça tourne dans le burn. Tu fasses un burn. Yes, come on. You're gonna burn, baby, burn. Ok. Concentration. Fasse attention à ces dérapages-là parce que ça use beaucoup les pneus. De l'aspiration, ça économise de l'essence, puis là, mon trip, c'est d'économiser mon essence le plus possible pour pouvoir faire en sorte que mon puits de ravitaillement, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Fait que j'économise du temps là. Économiser de l'essence, il faut que je change les vitesses plus rapidement. Puis pour mes pneus, ben, il faut que j'économise mes pneus en dérapant le moins possible. Chercher à cause de...
d'aspiration. Je travaille fort pour lui, tu sais. J'avais laissé de la place pourtant. C'est lui qui a le meilleur tour. À cause que de profiter de l'aspiration. Complètement malade comment je perds mon avance sur la ligne droite. Il est smart parce que commence à me lâcher. Je devrais être capable d'en faire 6 tours. Thank you.
m'attendais à ça. Lui, il sait à combien le troisième il est. Je ne sais pas, moi, tu sais. Il y a du monde qui change, là. Moi, je sortirais pas, tu vois. Ce serait pas mal le dernier, par exemple. On tourne dans une 15-54. Country, j'ai déjà conduit avec lui, j'ai déjà coursé. Troisième, il est à 3-4 secondes. Hard. No fuel. C'est long. Je sais que je tourne plus vite avec les durs que les quelques derniers tours que j'ai fait tantôt. Thank you.
Fait que Big Country est encore... Encore au puits! Je vais-tu le dépasser? Il n'y avait pas ses pneus, fuck! C'est donc ben con! Est-ce qu'il avait changé ses pneus ou pas? Ça. Ouais, ben, je viens de perdre ça. Je viens vraiment de perdre ma course. Oh, que c'est poche.
moment où j'aurais pu profiter de l'aspiration. Ah, que c'est poche! Est-ce que je suis capable de rattraper au moins le troisième? En deux tours, pas sûr. À moins que ça n'aille pas bien eux autres, là, mais... Ah, c'est con, j'y ai laissé de la place. Ouais, je veux pas perdre une autre place. Je les aurais rattrapés, là. On se serait battu. Ah, que c'est dommage. Mais c'est pas fini. Ils peuvent se sortir, eux autres. Là. Ouais, ça joue dur. Eux autres avec les pneus médium, ils ont tout de suite cet avantage-là sur nous deux, sur Big Country puis moi, tu sais. Manquer de peu. Aïe aïe aïe. Ah, c'était beau. C'est ma pénalité là, je suis déçu. C'est une petite pénalité poche là. Mais je suis content du résultat, c'est vraiment c'est une belle course. Je trempe encore une fois. Mais je suis bien content. Puis, je suis persuadé que les deux premiers ont fait dur au début. Ils ont fait 4-5 tours, puis après ça, ils ont mis médium. Puis comme ça, ben ils sont venus nous rattraper pendant que nous autres, on commençait à faire des tours d'un 53, une 54, là, quand on commençait à être moins rapide. Fait que... Non, je suis bien content.
J'ai une pole en plus, fait que non, j'ai. Ouh! Je suis super heureux. Puis là, ben, les points là-dedans, c'est pas des points au niveau du championnat, c'est au niveau du tournoi Toyota. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai aucune idée. Je me suis pas renseigné par rapport à ça. Fait que 101 points, je suis super content. On va y prendre. Mais je sais pas trop c'est quoi. Fait que non, je suis vraiment content. Puis c'est Dave, c'est quoi son nom là? Ça. Fait que Tourlou. OK, bye.